L'idée est de créer une communauté forte dans la classe, où tout le monde se connaisse, où l'on sait ce qui est cher à l'autre, où l'on est connecté. Quand on ouvre son cœur et qu'on partage ses sentiments, les autres le ressentent aussi. Justin, je suis reconnaissant envers ma mère pour sa confiance. Elle me laisse être indépendant et aller où je veux tout seul. Je lui suis très reconnaissant. Je suis reconnaissante envers Lila. C'est une personne géniale. Je lui suis reconnaissante d'être ma meilleure amie. Je suis reconnaissante envers la compagne de mon père. Elle est vétéran. Elle va m'acheter une robe de soirée. C'est vraiment gentil de me l'offrir. Je la remercie. Je suis reconnaissant envers mes amis, qui sont sympas et drôles. J'adore cette classe. Je suis reconnaissante envers mes amis qui me soutiennent et me font sourire. Je remercie aussi mes professeurs pour leur dévouement et leur désir de nous transmettre leur savoir. Merci. Ça crée un lien profond. Les recherches montrent que plus les élèves sont liés à leurs professeurs et à leur école, mieux ils réussissent. On veille vraiment à créer un sentiment de communauté, à éveiller leur aptitude à être gentils, généreux, respectueux. La gratitude permet de se rendre compte qu'on est tous humains, avec des émotions similaires, qu'on habite tous le monde de la même façon. Je suis reconnaissante envers mes amis, comme Jonathan, et tout le monde dans la classe, parce qu'ils me redonnent le sourire, ils me soutiennent et ils sont toujours là pour moi. Je suis reconnaissant envers l'amour. On peut tous le ressentir. Chacun à notre façon. Et j'en ai reçu beaucoup, alors je suis reconnaissant.